Yo! Salut les gamers! Hop là! Ah oui, mince! Fallait que je modifie des blueprints! Oh, faut que je vous montre mon nouveau train. Mes nouvelles blueprints. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si le son du jeu est pas un peu fort. Ou alors c'est juste dans mes oreilles qu'il est fort? Possible, hein. Non, 30, il a pas bougé. Vous avez quoi comme travail avant streamer? Bah, j'étais un G. Je faisais ça dans la vraie vie, pas du tout. C'est bon, on n'a pas de disque. Voilà. Bon, attendez, faut que je vous montre. Je me suis amusé avec les blueprints. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, j'arrive à me déplacer maintenant en aérien. Tout le monde me disait, ouais, mais tu feras jamais le... Bon, faut d'ailleurs que je refasse la voie de train. Tiens, y'a un truc ici, c'est quoi ça? Ah, c'est de l'eau. MDR. Ok, donc du coup, on aura de l'eau ici. Voilà le design du train! Non, mais y'a cette plateforme ici, là, qu'on doit virer. T'en pensez quoi? Je vais remettre les rails par contre. Je montrerai les blueprints après. Ah voilà. Chouchou. Ah ça c'est chiant d'ailleurs quand les intersections. Ah si, l'aiguillage sort juste comme il faut. Oh, au pire on pourra supprimer cette barre là pile à cet endroit là. Mais voilà le... Le monorail du train. Regardez, ça fait des beaux virages d'ailleurs. Vraiment, on doit pouvoir virager sans trop de problèmes. On avait fini. Merde, il me remet un angle. Ouais, je l'ai mis trop loin. Attendez, l'angle commence. On commence même avant ça, l'angle. Ouais, c'est pour ça. Mettre au début de l'angle. On commence ici. Regardez, ça épouse parfaitement la forme. Absolument sublime. Et il se termine ici. Ouais. Et là, normalement, ça devrait être tout droit. Ça a l'air. Ah, il y a encore un petit angle. Bizarre qu'il se... je me demande si des fois, faut pas le récupérer directement d'en face. Magnifique ce train, c'est beau ça. Ah oui, sauf que c'est chiant à poser là-dessus. J'ai remarqué ça. Il veut pas s'aligner. C'est plus simple quand on le fait en continuité. Je sais pas pourquoi il fait ça. Quelqu'un sait peut-être. Pourquoi vous voyez, à moins que j'y faut... Ah voilà, c'est bon. Fait que je chope un coin. Non, sur les blueprints, faut pas poser... Ouais, faut poser... Oui, là, faut poser la ligne droite. Mais sur les blueprints, tu peux pas poser la ligne de train. On va poser les lignes droites d'abord. Et elle redémarre de là. Ok, et en gros, j'ai fait des blueprints full modulables. On va voir ce que ça donne. Ouais, tu parlais pour les virages, ouais. C'est d'abord les lignes droites. Et après... voilà. Après les virages, ouais, j'ai oublié de refaire. Et puis il y a l'autre train à faire au-dessus. Bon, on verra. De toute façon, on va commencer par l'usine APC d'abord. C'est le plus important. The Computer Factory. Euh...
La ligne droite reprend à quel endroit? Là. Mais comme ça, tous mes trains maintenant, j'ai le design, je suis tranquille. Voilà, il n'y a que un tout petit virage. Ah, sauf qu'il va peut-être pas vouloir faire une aussi courte. On verra. Pour l'instant, j'ai juste pas fait la fin là. Donc on va la faire à la mano, mais vous voyez, hop, ça épouse parfaitement. Ah non, la voie ferrée est trop courte. C'est ce que je craignais. Qu'on mette les petits virages, il est chiant. On va la faire jusque là et ça devrait marcher. Voilà. À peu près, hein, de toute façon. Hop. Bon, les voies ferrées. Là, mais regardez, en plus, c'est bleu. Et si c'est bleu, ça veut dire qu'il n'y a même pas de clipping. Regardez comme c'est parfait, c'est si beau. Merci Bob le Caribou. Oh, t'inquiète, tu risques pas beaucoup de spoil, hein, c'est des usines. Faut pas de spoil grand chose. Parce qu'après, de toute façon, tu fais tout custom, donc. La première partie, j'ai tout fait à la main. J'ai jamais été à l'étape du train, pourtant l'étape du train est... C'est le début, hein. Le début du jeu. Bon, bah voilà, on a un beau train. Alors, on a une station qui est reliée, mais pas l'autre encore. Mais j'étais encore sur les blueprints, faut que je modifie un peu. Mais je vais vous montrer ces histoires de blueprints. Bon, bah c'est pas mal en tout cas. Alors... hop, on va revenir à la base. On vivement le MK3 en blueprint, parce qu'il est pas assez gros celui-là. En fait, j'ai expérimenté beaucoup les blueprints. Ça a pris un peu du temps. Mais... je suis arrivé à quelque chose de correct. J'en suis où là? On est à la fin de la phase 3. On a tout débloqué, faut que je finisse ça là-haut. Hop. Donc au début... au début, j'ai fait genre ça. En blueprint, des actions complètes. Mais alors ça, c'est bien. Mais c'est beaucoup mieux. Donc voilà le design d'une section. Il y a des petites astuces, je vais vous montrer après. Notamment... notamment, vous voyez le petit rail là. Ce petit railing là. Qui permet de faire... est-ce que vous savez ce que c'est ça? Débloquer les convoyeurs MK5, ouais, nice. Ça, c'est ça. Des garde-corps industriels qui sont encastrés dedans. Et du coup, on a juste la barre en fer quand ils sont tournés dans le bon sens. Du coup, ça a de la gueule, non? L'idée, c'est de faire un petit style cyberpunk. Avec des lumières. Ça t'en fait du bruit, l'arrêt. Et en fait, quand vous voulez faire des blueprints... quand vous voulez de la flexibilité, le mieux c'est de le faire en unité. Donc voilà, voilà un léger virage gauche. Alors, j'ai appris aussi à mes dépens... que je pensais que les blueprints... non, je l'ai pas encore. En fait, je pensais que quand vous pouvez l'aligner, vous pouvez faire des petites rotations comme ça. Et vous voyez qu'elle se calait bien. Et en fait, c'est non. Vous êtes obligé, suivant le sens que vous voulez donner, de la faire droite par rapport à la grille d'ici. C'est-à-dire que si je l'avais fait genre comme ça, avec un virage, les giga problèmes d'alignement. Et c'est ce que j'avais fait au début, parce que j'étais reparti de celle droite et j'avais fait virage dans deux sens. Et ouais, on peut créer des blueprints. Ça, c'est une blueprint. En gros, j'ai appris deux choses avec les blueprints, et là, faut que je change un truc d'ailleurs. C'est un, se servir toujours des fondations pour le guidage. Je vais vous montrer après, on va en poser, vous allez comprendre. Mais se servir de fondations pour les références à chaque fois. C'est-à-dire que là, cette blueprint-là, je vais la coller quand je vais faire, genre, quand je veux faire mon virage. Je vais la coller à une fondation qui est là. C'est pour ça qu'il y a des fondations en bas, ensuite on les supprimera.
Mais c'est une projection de la route vers le bas et c'est pour que ça soit beaucoup plus simple à aligner. Parce que ça, là-haut, vous pouvez pas l'aligner avec une construction existante parce qu'il y a du clipping de partout. Vous voyez le clipping, là, dans tous les sens. Les lignes de néon. Attends, bah, je vais vous montrer sur un gros truc. Mais donc voilà, et en fait, t'es obligé de faire virage droit, virage gauche. C'est pas les mêmes. C'est là, il part à droite parce que pareil, on peut pas les inverser. J'ai les pentes aussi. Alors les pentes, j'ai pas encore testé, ça va être un peu le mystère. J'ai des pentes unitaires, c'est celle-là. Faut que je vois si j'arrive à bien les coller, mais normalement oui, parce que ça devrait coller là-dedans. Il y a juste la première pente qui va être un peu compliquée. Alors je vais vous montrer sur... Attends, on a une section gros virage. Ah, là, par exemple, cette section gros virage, c'est une que j'avais designée au début, je peux pas l'utiliser. Parce que ici, l'input, qu'il soit de ce côté-là ou de ce côté-là, il est pas... En fait, il aurait fallu que je démarre mon virage comme ça, et que je parte après vers là-bas. Et comme je me suis basé sur le poteau central, là j'arrive, je suis tordu. Et j'ai remarqué que quand... Regardez, quand on fait genre... Genre si on fait une section droite là, et qu'on veut mettre... une section gros virage. C'est impossible à aligner, vous voyez? En fait, on pourrait le faire genre comme ça. Pour essayer de le mettre parallèle. Donc en faisant la rotation. Mais dès qu'on va coller contre, il va s'aligner par rapport à la box. Vous voyez la box blanche là? Vous voyez la box blanche? Il essaye de coller dans ce sens là. Et la box blanche, elle correspond au grid là en bas. Donc voilà. Alors, comment... je vais vous montrer peut-être la version droite plutôt que la version tordue, parce que la version tordue, c'est encore plus compliqué. Mais si je vous prends une section droite... au niveau des composants, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ça, les lumières, c'est des écriteaux. C'est des écriteaux qui sont configurés sur une couleur en force d'émission 0 et sans arrière-plan, enfin sans texte, sans icône. Donc tout ça, c'est des full écriteaux. Voilà, là au milieu c'est une poutre peinte. Donc vous mettez une poutre peinte, comme ça, et ensuite vous mettez les cadres. Alors les cadres sont chiants à mettre, pour une bonne raison, c'est que les cadres, on peut pas les haches. Ah si, on peut les haches des fois, mais des fois non. Des fois, genre si je le mets là, ouais voilà, ce bâtiment ne peut pas être décalé. Donc c'est particulièrement chiant parce que la seule façon de caler correctement des cadres, c'est de partir... En fait, c'est par rapport aux poutres. Vous voyez, ils collent aux extrémités de poutres. Donc des fois, notamment pour les virages, je vais vous montrer après, la solution, c'est de faire des bouts de poutres. Genre en placement libre. Ah, vous faites un bout de poutre et comme ça, vous êtes sûr de coller à l'endroit où vous voulez. Merci, Minouchou. Les virages, je vais vous montrer comment faire les virages. Après, il n'y a rien trop d'autre de spécial ici. Ça, c'est des poutres métalliques. Là, on met d'abord les écriteaux et ensuite on met ces trucs-là. Il pourrait faire jour, s'il vous plaît. Il fait tout le temps nuit, du coup, on voit rien. Les petits connecteurs de poutres par-dessus. Alors, attendez, je vais me charger en CTRL-C, là, vu que le truc est chargé, parce que j'ai appris un truc, mais sur les panneaux, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Mais c'est différencié suivant les panneaux. Là, par exemple, j'ai fait un CTRL-C que sur un panneau écriteau 4 mètres. Donc, si je mets un 2 mètres, je peux pas faire de CTRL-V. Ça marche pas. Mais par contre, si vous faites un CTRL-C, vous le faites en début de game, tant que vous avez pas quitté la game, sur un 4 mètres, 2 mètres, 3 mètres, etc., ça copie chaque truc indépendamment. C'est un peu bizarre. Autre chose qui est chiant, peut-être les gens savent y répondre dans le chat. Vous allez peut-être m'aider. J'ai un problème avec quand je copie un élément, vous voyez, poutre peinte. La peinture est bonne, mais quand on le place, la peinture est pas bonne. Et comment on peut... Je sais pas comment on peut copier les customisations de peinture. Parce que ça m'intéresserait. Et il veut jamais copier les customisations de peinture. Du coup, je suis obligé de les remettre derrière. Ben, ça y est, fait jour, c'est mieux. Donc je sais pas si c'est possible ou pas. Ça, c'est un point qui est relou. J'ai pas réussi à... Ouais, alors tu peux définir le matériau, mais pas la peinture.
Ok. Ah ouais, oui, sauf que... Hey. Ok, c'est le nuancier actif, ok, donc c'est comme ça. C'est le nuancier actif, mais... ouais. Le problème, c'est que ça, c'est quelle catégorie? La poutre peinte, elle n'existe pas, hein, c'est ça. On le met en standard, c'est ça? Ouais, ceci dit, c'est pas bon plan, ça, parce que ça change tout sur ta map, hein. Ouais, c'est un peu mal fait, on est d'accord. En fait, ce que je comprends pas, c'est quand... Pour moi, quand on copie ça, on devrait copier tous les éléments. Pareil quand on copie un écriteau, ça ferait gagner du temps. Alors, les écriteaux, c'est moins un problème. Parce que les écriteaux, littéralement, c'est CTRL-C. Vous voyez, j'ai fait un CTRL-C avant, je fais un CTRL-V et c'est bon. Voilà comment on fait des néons, hein. C'est des écriteaux... C'est marrant que les gens connaissent pas plus que ça, mais c'est des écriteaux avec force du signal d'émission et une couleur en background, en fait. Ici, les couleurs. Voilà, sinon non, après ici c'est des piliers en métal, des fondations. Comme j'ai dit, la petite... je peux vous montrer comment on l'a fait celle-là. Après ça c'est une fondation de 2 mètres. Mais vous voyez ça c'est une... c'est un garde-corps industriel. Donc, pour le faire en fait faut pas mettre des fondations de 2 mètres, faut mettre des fondations... L'eau est en dessous. 1 mètre. Et en fait après on peut... c'est pas le bon. On peut plaquer le garde-corps industriel. Alors faut le mettre dans le bon sens, comme ça. Hop. On le met et du coup il est caché, sauf la petite barre en fer. Du coup ça permet de faire un petit liseré bien sympa. Quel est ton avis sur les goûts de société liés à la raclette industrielle? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette question de merde? Ah, rien ne me vaut la raclette que vous achetez chez votre fromager local. Alors, comment faire des virages? Comment faire ça? Unité virage. Bon, là, vous voyez, ça sort, mais on s'en fout. C'est parce que je suis obligé de le mettre deux fois, parce qu'on a un virage. Alors, moi, je fais des virages avec des demi-fondations, mais vous pouvez le faire avec des fondations classiques. Mais demi-fondations, ça fait plus gros virage. Je vais vous montrer plus simplement comment on fait des virages. Très, très simple à faire des virages. Vous prenez votre fondation, donc si par exemple vous voulez faire une solide fondation à 1 mètre, vous placez votre première fondation. Après, votre virage tourne vers la droite, vous vous mettez à gauche. Votre virage tourne vers la gauche, vous mettez à droite, vous visez le coin là. Le coin ici. Ok, vous voyez? Avec mon marteau. J'appuie sur CTRL et vous mettez un petit coup de molette vers la droite. Maintenant, si on regarde avec CTRL, vous voyez, ma fondation est légèrement décalée. Là elle est droite, là elle est décalée. Le coup de molette, vous le mettez que la première fois. Hein. Première fois que vous démarrez vos trucs. Ensuite, vous appuyez sur CTRL, H. Et vous faites 1, 2, 3, 4 vers l'avant, 1, 2, 3, 4 vers la droite. Vous placez votre fondation et ensuite, vous en placez une en dessous. Vous enlevez et on a un virage. Et ensuite, vous voulez continuer le virage, vous remettez toujours dans le coin. Vous appuyez sur H. Là, la rotation, elle est toujours là. Vous appuyez sur CTRL, pardon. La rotation d'un cran vers la droite est toujours là, donc remettez pas un coup de molette. Le coup de molette, c'est juste au tout début. Appuyez sur H, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, et voilà comment vous faites des très beaux virages. Et vous pouvez continuer, continuer, continuer. Alors, vous pouvez le faire... Vous pouvez faire... C'est vraiment la méthode la plus simple. Vous pouvez faire des virages deux fois plus élevés avec des demi-fondations. Hop. Alors les demi-fondations c'est 1, 2 vers l'avant, 2, 3, 4. Hop. On refait. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors même vous pouvez faire en escalier comme ça au fur et à mesure et ensuite 2, 1, 2, 3, 4. Très rapide à faire une fois que vous avez le coup de main. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Là maintenant, si je mets en vertical. Regardez-moi ce virage magnifique. Alors l'autre technique c'est de le faire avec des garde-corps effectivement. Mais je trouve que c'est plus long. Avec des glissières de sécurité. Vous pouvez vous baser sur des glissières de sécurité où à chaque fois vous faites voilà, une rotation d'un angle. Bon là elle colle mais à la base vous faites des glissières de sécurité comme ça et ensuite vous plaquez en dessous. Alors la glissière de sécurité normalement quand on le fait c'est au milieu.
Mais moi je trouve ça plus simple avec les fondations directes. Vous pouvez aussi faire des virages encore plus élevés. Hein. C'est pas un problème. Fondation. Hop. En gros, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Si on veut des gros virages. Hop, je réaligne et je la mets dans le bon sens. Là, on va faire que 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les plus gros. Oh, j'ai plus la valeur des angles. 1, 1, 2, 3, 4. Mais par exemple, ce virage-là, je crois qu'il est trop élevé pour les rails, il me semble. 1, 1, 2, 3, 4. Alors les virages en pente, ah, c'est un peu plus la merde ça, mais ça se fait. Voilà, le seul problème à mettre plus de virages, c'est que forcément sur l'extérieur c'est moins smooth, voilà, ce qui est normal. Mais par contre à l'intérieur, c'est ma ce beau virage. Niam. Ouais, après, en fait, le problème de le faire avec des rails, c'est que ton... quand tu dis avec des rails, c'est avec ça, avec des rails de train. L'inclinaison du virage dépend de la distance entre les deux points. Et je trouve ça plus relou de faire dans ce sens-là, parce que du coup, tu peux pas faire de blueprint. Les rails marchent pas sur les blueprints, ils se connectent mal. Ah, pubed. Après, est-ce que ça doit se faire, les virages en pente, non? Ça se fait pas de la même façon. Ah ouais, non, parce que tu peux pas contrôler. Est-ce que tu peux pas, genre... Voyons voir les virages en pente. Oh, tu peux faire ça. T'as pas des demi-rampes? N'existe pas les demi-rampes? Et on peut pas le faire sur des demi-fondations alors? Non, sur l'axe de hauteur, tu peux pas faire bouger avec H, ça manque. C'est bien dommage. On va le faire avec des fondations complètes. Voyons voir. Marcher ça. Peut-être faire des virages moins élevés. Ouais, ça marche, à peu près. Il y a un petit rebord, là. Ouais, les virages en montée, c'est un peu plus complexe. Mais ça se fait. Un lancement me fait mal au crâne, ça fait vraiment... Pensez au build command block de MC pour faire des cercles sphères. Ouais! Ouais, mais bon, au bout d'un moment, t'as le coup de main, ça se fait bien. Christophe, waouh, trop bien. Bon, après, ça coûte juste un certain prix en minerai. Bon, computer. Oh merde, j'ai pas gardé le... Oh si, je dois l'avoir.
Faut qu'on fasse notre usine à computer. On va peut-être poser le truc des néons. Ça, en garder un peu. Et je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Des virages de 5 en 5 perfect, mais en montée toujours impossible de faire propre. Ouais. Bah du coup tu les fais pas en montée. Pas grave. Oh oui non mais j'ai vu, il y a plein de façons. Attends, vas-y, bah, essaye de poster le lien, tu verras. Normalement ça marche. Ouais, il y a plein de façons de faire des virages. Hein, juste quand tu apprends une technique. Bon, puis là j'ai commencé à le faire là-haut aussi, il faudra que je continue à le faire. C'est quoi quelle technique il fait là? Ah oui! Il le fait en montée. Attends, je jette un œil. Ouais, ok, il fait ça avec des passerelles sur les côtés. Ah, parce qu'on doit pouvoir... Attends. Ouais, ok, d'accord, je comprends comment il fait. En fait, tu peux pas le faire... En fait, tu utilises un mixte entre pentes à plus ou moins élevé, c'est ça? Ah c'est ça. Et ça fusionne bien. Après si ouais t'es obligé de foutre une border pour oh, après les borders c'est facile à faire. Pour rendre le truc bien le raccourci 9 ça. Ça se débloque quand? Ah mais on avait amené tous nos matériaux qu'il fallait. Oh putain mais par contre attendez. J'ai pas noté. Attendez, on va ressortir. On va ressortir ça. Ouais, il recolle de 1,5 bloc à chaque fois. Alors, on l'avait designé notre usine là. Ah, elle est toujours là. Mais par contre, on va voir que j'amène du rubber, hein, c'est ça. Hein. Et la limestone, mais la limestone on l'avait. Bah en vrai on a nos deux gares ici. Ils sont pas mal intégrés je trouve. Et bah va falloir faire la gigafactory là quoi. Oh attendez, il y a une sphère de mon cul là-haut. On l'avait pas récupéré celle-là? Des fois j'ai l'impression qu'elle réapparaît. Je deviens fou. Ouais, ça se fait via les tickets, hein. Genre de truc. Bon, j'ai quasiment tout débloqué avec les tickets, hein, je crois. Il me manque peut-être une personnalisation, un truc comme ça. Bon, on va réfléchir à comment on fait cette factory. De toute façon, au début, faut... on va faire une partie. On va peut-être la séparer en deux blocs. On va d'abord traiter tout ce qui est quartz caterium ici. Ok, de toute façon, il faut d'abord faire avec le caterium le quick wire. Le caterium arrive où? Il arrive là-bas. Ah, le quartz arrive là. On va faire le process caterium ici. Je veux savoir pourquoi jouer avec les paramètres avancés, du coup t'as pas les succès, comment ça? Bah j'ai les succès. Pas besoin de gérer l'overflow, c'est des gares uniques. On s'en fout, les trains restent là.
On met pas à la poubelle les minerais. Là, les fo... J'aurais presque laissé un arbre au milieu de l'usine. Dommage, on peut pas replanter les arbres, je crois. T'es baisé quand tu designs. Allez, c'est ciao. Ouais, non, c'est plus rapide que la tronçonneuse. On s'emmerde avec la tronçonneuse. Alors, il va nous falloir 19 smelters. Nous, on est en MK. Où est-ce que tu vois que ça désactive les... Désactive pas. Hein. Je les ai eu, les achievements. Ouais non, l'option elle est dans les paramètres de base, pas quand tu lances une game, ouais. Tu peux le changer, c'est pas mal. Alors... Combien on transporte déjà? On transporte 480. Ça fait 960, donc on est bon si on fait deux lignes, ok. Deux ou quatre lignes. On va faire deux lignes. Donc on a dit combien? Ah, 19, c'est chiant. On va en faire 20, hein. Tant pis, hein, y aura un surplus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'usine c'est pour un rendement de 30 computers par minute. Plus les trucs autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. On va faire sortir la ligne... Ouais, on va faire les classicos. Bon, elle m'énerve, cette truc qui fait toujours le même bruit, là. Brr. Assez de poutre. Un jour on aura le contrôle qui nous permet. On l'a fait trop haute, ça là. D'aligner sur la hauteur aussi. Un jour peut-être. Pas des blueprints pour ça. On aura le temps de faire la blueprint. On pourrait, mais bon. On aura la blueprint max, je ferai des blueprints d'unités comme ça. Voilà, c'est le seul truc au fourneau qu'on met. Pour deux secondes. J'ai bloqué le jetpack, mais il est merdique. Il me faut du turbo fuel. Ah! Démarrer trop bas là.
Bon, comme j'ai pas besoin d'énergie pour l'instant, on fera une usine de carburant de fusée là. Je crois que c'est ça qui est le mieux. Hein. Oh, la biomasse ça marche. Bon, en tout cas l'essence de base c'est absolument merdique. Je fais pas les bons. Oh c'est le matin. Hein. Ça se sent. J'ai pris mon café. Bah pour rester en hauteur, non c'est merdique, t'as pas de hover. Genre là, à l'heure actuelle, dès que tu lâches, tu retombes direct comme une pierre en fait. Ah, et tu peux pas rester longtemps à manœuvrer, c'est trop chiant. Moi j'aime pas perso. Ouais, mais c'est la phase suivante qu'on aura après, ouais. C'est pour ça que pour l'instant, c'est useless. Oh. C'est quoi ces virages, là? Bon, de toute façon, en gros smelter, on a que ça. Bon, après, on fera, ouais, on... C'est moi ou... Ah, mais non. J'ai l'impression d'avancer lentement. On fera un blueprint pour... Attendez, quand on le regarde là, ça avance pas vite. Mais quand on le regarde là, ça avance très vite. C'est quoi cette animation? Regardez en bas. Bizarre. Plus on le regarde, plus il va vite. Regarde la pause café au taf. Ah ouais, faut en profiter là. C'est des tapis quantiques, quoi. Ils ont pas le même état suivant que tu les regardes ou pas. Putain, mais pourquoi il me fait des liaisons comme ça, là? Parce qu'elles sont proches. Et il m'en fout, hein. Ok. Caterium. Ah, il y a un autre truc aussi qui est énervant dans le jeu. C'est le focus sur les trucs. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Et surtout quand il y a le paramètre collé devant, ça peut pas prendre le focus. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi là j'ai pas le focus et là oui? Et des fois c'est pas une question de distance. Ça dépend ce que tu mates. C'est très bizarre. Que devant ça marche mieux? Ouais, ça marche mieux devant. Au-dessus des machines pour faire les copier-coller. On va voir qu'il essaye. Alors, bon. Du coup, all good. Et ça, on avait dit, c'est le caterium. Hein. Donc, faut qu'on ramène le caterium. Il y a deux lignes de caterium à ramener. Truc là, avec le design que j'ai fait, c'est un peu chiant, j'aurais dû les mettre plus près, mais pour les déplacer maintenant, ça va être compliqué. Ouais, faut que je les mette plus près de la gare.
Ouais, sauf que on avait dit que ça gênait. Oh non, ça va le faire là. On le met là. Ouais, ok, trop près. On l'aligne maintenant avec ça. Ne te remplis pas. Ok, c'est full. Hop, et le dernier. Ah bah non, il y en a encore deux. Je fais l'erreur. Réfléchis au design avant la productivité. Ouais, non, mais là, c'est juste pour avoir la place, quoi. Oh non, parce que j'ai pas trop réfléchi au design. On va tout changer, hein. Toujours le même problème. Ah, merde. Les péter avant de... Ouais, hop, ça part à la poubelle, hop. C'était quoi l'alignement là déjà? La ligne 2 devant, je pense que c'est là. Hein. Ça m'a l'air bien. Ok, donc du coup, faut qu'on sorte ici. Ou en bas, en soi. On a deux lignes à sortir. C'est où le milieu? C'est là. Est-ce qu'on peut coller les deux lignes, genre? Ouais, ça posera pas de problème comme ça. Ouais, faut la décaler celle-là dehors. Il va seulement réussir. On peut la... Ouais, non, c'est bon. Ok, ligne numéro 1. Et ligne numéro 2. Bah non, je fais une connerie. Ligne numéro 2 plus loin. Ah, on peut remettre dans la gare. Ok. Que ça monte qu'à la fin, moi. Ok. On a nos deux lignes de cacatium. On va le faire passer au-dessus du train. Hein. Quelle hauteur le train? Putain, va falloir monter haut. Hein. L'alignement se veut là. Là, c'est assez haut. Encore.
4 supports de convoyeur. Non mais pas de support. Pire ça je referai. Faire passer sous les rails, non parce qu'il y a du terrain. Donc on fait passer au dessus. Ouais on a pas fait tout symétrique hein, mais la déco c'est plus tard hein, c'est ça l'histoire. Pour l'instant on fait le fonctionnel. Ouais on peut les faire passer là sur le côté. Container m'emmerde. Bon allez, on pourrait le refaire redescendre là. Tellement avancé par rapport aux vidéos YouTube. Ouais, c'est normal, il y a que les premières modifs qui sont sorties. Prévoir un sous-sol pour y cacher des belles. T'es pas obligé de le faire en sous-sol, tu peux le faire au plafond. T'as pas besoin d'un... En fait, les gens veulent faire un hub principal, mais je trouve toujours que c'est une mauvaise idée. Faut mieux faire plusieurs usines dans ce jeu qu'un hub principal. On va tout déposer. On va regarder les chiffres par rond. Ah, il n'y a plus la place. Il met trop de moteur. Comme ça. Bon là, il n'y avait peut-être pas tout ça, mais bon, c'est... Permet de voir si t'as une prod qui faiblit. Pas pourquoi. Bon, tu peux le voir. Pas mal ce pont au final. Est-ce qu'on les met... Je sais pas si je les mets en hauteur ou non. Je pense que je vais les mettre en bas. Ça sera dessus. Merci Lixo, combien d'heures sur la sauvegarde? 92 heures. Seulement. Moi j'ai envie de les mettre l'un à côté de l'autre. Je pense pas qu'on aura de terraformation. Hein. Merde à faire la terraformation. Ouais, je réfléchis au design en même temps, mais c'est une mauvaise idée, mais bon. Ah si, je sais comment on va faire. En fait, surtout. Oh, c'est pas aligné. Non, terraformation, je vois vraiment pas pourquoi il ferait ça. Il y a plein d'autres choses à faire avant de s'attaquer à ça. En fait... Ouais, non, on va faire plutôt... Ouais, je sais ce que je vais faire, ok, hop. Ok.
Alors là-bas. Mais quoi? Pourquoi il me l'a pas placé là? Tant de merde. Bon, attendez, au moins là où il est bien placé. Ah mais sauf que... Ah ça m'énerve ça les décalages. Vous voyez ce que je veux dire? Là il colle mais avant il... Là pourquoi je peux pas le... On peut le hache ça ou pas? Non. Y a un problème sur les sur ces trucs là à chaque fois ils se mettent pas bien. Si je le mets là c'est bon ou pas? Ouais là ok c'est bon. Ah non là c'est pas bon. Parce que la même merde, la truc est pas du bon côté. La priorité à dev dans le jeu. Le H sur la hauteur. Par pitié. Bon écoutez, là ils vont être forcément alignés là. Ok, c'est pas mal. On va dire on pourrait le sortir du bon côté, encore mieux. Voilà. Faut qu'on voit ici. Ouais, en fait, des alignements plus souples. Sur les alignements de grid, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, notamment avec les blueprints, ouais. Une vision aigle aussi, par pitié. Comment on va splitter ça? Alors deux l'un à côté de l'autre. Ah, pareil, c'est laquelle qui est droite là? Sauf qu'on est décalé d'un. Donc c'est celle-là normalement. Ça passe dans la montagne, mais pas de panique. C'est ok. Ouais, ça au pire, je le referai. Au pire, là, on va pas faire d'alignement droit. Hein. Ça marchera aussi. Sans merde, pas grand chose là. Il est bon en fait. Ah non, hein, c'est au-dessus. Mais ouais, il y a des petits points à améliorer.
D'accord. Ça viendra, je suppose. Ah! On a un petit décalage, mais c'est pas grave. Hop. Bon, notre cacatium est en route. Vroom. Ok, cacatium. Ok. Du jus maintenant. Et combien sur la MK3 déjà? Ouais, ça sert à... Ouais, si on peut faire des MK3 maintenant. Mais je trouve que les MK2 c'est déjà bien. MK2 c'est 5, hein, je crois. C'est 5 ou c'est 7? Je vais embêter avec des groupeurs et pas dire. Pour pouvoir aligner les convoyeurs verticaux. Ah ouais, là j'aurais pu, oui. J'aurais pu mettre les convoyeurs verticaux parce que j'avais les sorties. Je suis d'accord. Une question d'habitude. Du coup, attendez, les poteaux. Ouais, c'est 7, c'est ça. Et les MK3, c'est 11. C'est 10. Du coup, ça fait 4. Ouais, c'est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4. Où les courants, ils sont là. Un... 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Plus un MK1. Ah oui, putain, il est déjà aligné parce qu'il est là. Ok. C'est pas 19 fonderies qu'il me faut, c'est 18.933. C'est pas grave s'il y en a plus, hein. Vraiment, on s'en fout, l'approvisionnement est large. Ça, au moins, ça fera sera plus rapide pour bufferiser. Où est-ce qu'il est arrivé le jus, au fait? Il arrive à la gare. On avait alimenté les deux gares d'ailleurs. Je pense qu'elle n'est pas alimentée celle-là. En fait, faudrait faire venir un poteau au milieu là. Bien vénère. Bah, on va faire venir du gros poteau là-bas. Hop, notre transformateur ici, là. Merde, ça passe à travers la falaise, nul! On peut le faire venir de là-bas, alors. Ouais, bon, pour l'instant on s'en fout. Pour l'instant l'important c'est que ça soit relié. Zakui! Alors ce
celui-là. Voilà. Ah oui, la gare est alimentée parce que... Oui, parce que les rails sont interconnectés, c'est ça? Ok. Bon, là, on produit notre cacatium. Oh putain, bon, on va peut-être faire une blueprint pour le suivant. Ah, des fois, je devrais faire des usines à différents niveaux de hauteur aussi, hein. Ce serait peut-être plus sympa, non? Je me rends compte qu'ici, on pourrait descendre, en fait. C'est dur de planifier le design avant de faire les usines. Mais là, on pourrait grid plus bas. Ouais, oui et non, parce que... On pourrait grid un plus bas. Histoire de faire un peu de relief. Bon là on a notre module fournaise. Maintenant faut faire combien? Alors attendez. Où Dame? On doit faire 3 lignes. On va mettre 24 constructeurs. On produit 600 plus 420 plus... C'est combien le quickfire qu'on produit? Qu'on isole les lignes. Bon, il y aura un rocher au milieu là, pas mal. Il y aura un rocher au milieu de notre usine. Alors. C'est des. Bon, là on va faire une blueprint hein, pour ça, on va pas se mentir parce que. On en produit combien? 60 par minute? Il m'en faut 7 d'un côté. Sept de l'autre. Et 10. 7, 7, 10, ok. Deux lignes à 7, une ligne à 10. Comment on peut faire ça bien? On fait 7, 5, 5, 7. Manger quoi? La mission du jour, c'est... je vais le mettre dans le titre. C'est usine à ordi. Mission du jour. Mission du jour. Ordi factory 30 par minute. Voilà. Comment la texture que tu utilises pour les fondations? Ça, c'est la texture béton. Ouais, c'est avec les tickets. C'est en matériaux. T'as les fondations en béton, après t'as béton ciré. Pour l'instant, je fais béton de base. Regardez, on pourra même faire des trucs shiny. Quoi ça? Ah ouais. C'est pour l'usine à gold, ça. Non, ça coûtait 10 tickets la finition caterium, alors que c'est un peu caca. En même temps, c'est du cacatium. Bon alors attendez, blueprint. Dans quoi, logistique? Organisation. Non? Aveugleman ou... Non, spécial, putain. Alors...
On a dit... est-ce que ça va rentrer production? Donc c'est des quoi? C'est des constructeurs. Hein. Ouais, on va séparer... Ouais, la sortie, on va la splitter en deux. De toute façon, la sortie, ça sort 284 par minute, donc c'est large. Donc la sortie va être centrale ici, elle va être split en deux. On va... On va se passer de 1. Combien on en rentre de constructeurs là? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on rajoutera les deux de l'autre côté, mais déjà ça va nous faire gagner pas mal de place. Hein. 1, 2, 3, 4... Ok, ils sont tous configurés sur du fil actif. Ouais, le MK2 est plus grand et ensuite t'as le MK3. Le MK1 c'est 4x4. Le MK2 c'est 5x5. Ensuite c'est 6x6 je crois. Ah, c'est ça. Du coup, pratique, évidemment. Ah, ça va être le moment chiant. Bon alors, donc l'input... hop. Est-ce que... Ouais, je fais généralement mes inputs... Ah, c'est 7, 10, ok. Je fais généralement mes inputs en haut et mes outputs... En plus. Au ras du sol, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Ici et de ce côté là, ouais, faut que je le fasse aussi. Ah, à quel point on peut merge les trucs ou pas? Ok! Ah, les poteaux! On a combien? On a 10 à relier. Sauf qu'il me faut 2 en plus. Faire 8 plus 2. Ouais, hop. Ouais, non, je préfère les faire là. On va prendre des MK2. Arrivé. Il y a des hurlements bizarres dans cette vallée. Ok, on est bon.
Ah, oh, les blueprints arrivaient où ils ont mis constructeur. On va l'appeler temp à chaque fois qu'on a besoin. C'est arrivé avec la 1.0, il n'y en avait pas avant. Comment va la petite? Elle va bien, écoute. Elle est plus malade, elle est retournée à l'école hier et aujourd'hui. Alors voyons voir les plans, le plan temple. La sortie est là, et oui, il faut que je fasse la sortie là. Oh, attendez. J'en rajoute une de chaque côté. Là, c'est pas mal, mais je vais peut-être l'éloigner un peu par là-bas. Quoique. Est-ce qu'on peut là? Oui. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça me laisse de l'espace, ça m'en laisse deux. Ah ouais, sauf que faut qu'on la fasse big. Et là on va voir ça. Peut-être la décaler par là-bas. Pas grave si elle est incrustée dans les... Ouais, ou on va laisser que un, je sais pas. Je la fasse venir vers moi. Non, le décalage est max. Ouais, mais là, ceci dit, c'est bon. Ça passe près du poteau. Is ok. Là, comme ça, c'est bien. Allez, hop, vendu. J'boum. On peut savoir Minecraft, ouais. Point d'exclamation, ni trop ça. Le doliprane, ouais. Le repos surtout, ça, ça marche. Ah, j'ai noté un truc bien aussi qu'ils ont fait. Ah, ah, par contre c'est pas bien ça. Il est en dessous là. Ah, il y en avait une je crois. Tout ça pour une limace. Ah, mais il y en a encore là. Les pauvres arbres, ils ont rien demandé à cause de ces plantes de mort. Ouais, quand... Vous savez quand vous détruisez avec F... Attendez. Comment on nous emmerde ces plantes là. Quand vous détruisez avec F comme ça, si jamais vous sélectionnez ça... Mais qu'il y a encore des trucs dedans, ça va pas la détruire. Ça c'est trop bien. Et une protection. On va devoir faire exploser l'arbre malheureusement. Désolé petit arbre. Ouais la déco je vais vous remontrer après. De toute façon on va refaire. Pour l'instant j'ai commencé sur les trains. Et ouais tu peux faire beaucoup beaucoup de choses. Alors là c'est là que ça va être chiant. On a fait une input. Non, c'est comme ça. Ah, il va pas vouloir placer ce con. Hein. Ok, donc on va péter ça. Non, il va nous emmerder. Et on va dire, on peut péter ça aussi. Ah! Apparemment, j'ai sectionné quelque chose que je devais pas péter là.
Le jus, il était sur quel... Voilà. Ok. Là. Là. Il m'emmerde avec le poteau, c'est ça? Quoi, il est clippé dedans? Non, c'est bon. Ah, c'est bon, on est bien en termes de symétrie. Allez, vendu! Je l'ai pas fait à l'envers par hasard. Non, ça sort bien là et là. Ouais, non, non, c'est bon. Non, mais on peut faire des designs très sympas. Faut juste prendre le temps. Ça prend du temps un peu. Mais hormis ça. C'est trop chiant quand tu changes le type de poteau. À part la connexion câblée. J'avais bien cette EP. Ouais, fil actif. Ok. Ouais. Bon, ça va vite en fait à build. Hein. Comment ça le coup de main? Ah, j'ai plus de poutres. On allait chercher des poutres. Voilà, comme ça. Pour montrer le train quand on revient. Ah, les poutres, il en faut. Ça, vous m'avez pas menti là-dessus. Hein. Je vais regarder vite fait si j'ai encore... Je crois que j'ai encore un truc à acheter. On a des... Allez, 14 bons. On prend... C'est tous les moteurs, hein. Il m'en restait pas. Et qu'est-ce qu'il nous reste à acheter? Bon, hormis les spécialités fixites là. Il me restait le passage au tol hypertube. Allez, les coffres, allez, achetons les apparences. On a un Yankli, on achète tout ça, c'est tout est acheté. Tout est acheté. Tout est acheté. Après, je suppose qu'on va en avoir des nouvelles. C'est l'équipement et les pièces, on n'a pas besoin pour l'instant. Sur la phase d'après, je suppose. On va reprendre quoi? Béton armé? Peut-être des plaques de fer renforcées aussi. Hein. Ouais, usine à moteur, elle est finie. Regardez, vous voulez que je vous fasse un petit world tour rapide? Bon, ça c'est le spawn de base. Donc c'est l'usine de... On va faire un petit world tour pour ceux qui seraient arrivés entre temps. Vous savez quoi? Attends, je regarde vite fait. Ouais, on est à 1h30. Peut-être pour le début d'une... Elles font combien les VOD Ouais, non mais elle cuttera, ouais, c'est pas grave. On va regarder. World Tour. Alors ça c'est ma première usine un peu bordélique, hein. Elle est too big, c'est la première fois. Voilà, pour ceux qui reviennent maintenant. Bon, ça c'était ma première usine, c'est vraiment le début. Donc ça produit tout ce qu'il y a de début, à savoir les trucs de mer comme les barres de verre, les vis, les plaques de fer, le fil et le câble. J'ai aussi un petit truc dégueulasse. Bon, vous voyez, hein, c'est dans tous les sens, c'est un peu moche. Les trucs à béton qui se produisent là-bas. Le béton classique pour les fondations. Et ensuite, on a ajouté avec le tiers suivant les frames, les rotors, les plaques de fer renforcées. Ça, c'est pour le tiers 1.
On en aura besoin d'ailleurs pour crafter certains trucs. Pour le terminer la phase 1, je crois, c'est ça. Et après, voilà, on a les trucs un peu plus avancés. Et notamment, ici, avec le béton armé, les plaques de fer, les poutres en acier et les tuyaux. Donc c'est usine un peu spaghetti. Alors après, on peut se balader dedans. Et surtout, il y a trop de hauteur. Mais ça fonctionne, ça produit tout ce qu'il faut. On peut se balader dedans, c'est espacé. Voilà. Avec les fonderies, tout ça, tout ça. Et tout ça, ça tourne. Pourquoi il y a une putain de raffinerie ici? Tout ça, ça tourne sur toutes les ressources de base. Y a beaucoup de fer ici. Il y en a une de cuivre et un peu de calcaire, mais sinon c'est du fer. Donc ça, c'était le truc de base. Là-bas, il y a l'ascenseur spatial et l'endroit où je fais mes... blueprints. Maintenant. J'ai vu des gens avec le mode vol dans les paramètres d'avance, ce sera plus confort pour le build. Ouais, mais bon. Autant jouer en créatif, quoi. Je préfère, en vrai... Le mode vol, c'est après, si tu veux jouer en full créa, éventuellement, à la fin, une fois que t'as fini le jeu et que tu veux décorer tes usines et tout, mais t'as un jetpack, quoi. Parce qu'il y a quand même une partie exploration, donc... Donc là, on a fait un petit setup de voiture, vroom vroom. Regardez, elle est toujours là, hein, elle navigue. Ah, c'est vraiment la toute première. C'était pour amener... Parce que j'avais pas envie de faire des... Salut, toi. Putain, en plus, c'est les vieilles fondations dégueulasses. J'avais pas envie de faire un convoyeur à l'autre bout du monde. C'est pour l'acier. L'acier est produit ici, puisqu'on a du charbon. Donc voilà, c'est un petit endroit de production. Putain, c'est vraiment... Tout est dégueulasse, hein. Un petit endroit de production d'acier. On a le charbon, le fer. Et ça produit, voilà. Fer plus charbon égale lingot d'acier. Charbon est là. C'est quoi? Ah, c'est du MK3 quand même, on l'avait amélioré. Et donc ici, on a une station pour camion. Et j'avais même... Alors ça, c'est complètement con parce que... Attendez, hop. J'avais même une giga-usine à fil actif, mais je m'en... Enfin, une giga-usine. Des trucs à fil actif là-haut, mais je m'en suis jamais servi. Oh! Pourquoi tu sautes? Cette voiture assume pas la production d'acier, elle... Oui. C'est surtout de l'autre côté, j'en consomme pas beaucoup, hein, d'acier. C'est pour faire les tuyaux et les trucs, mais... Mais c'est parce que tout le monde me disait « Ouais, les camions, ça marche pas bien et tout. » Bon, après, tout le monde m'a dit à chaque fois « Ouais, machin, ça marche pas bien. » Et à chaque fois, ça marchait nickel. Donc là, on a une production de fil actif. Voilà, c'est juste bah, si j'ai besoin de... Et j'avais tout cet EP, mais ça sert strictement à rien parce que je m'en sers pas. Je sais plus même pourquoi je l'avais setupé, mais bon, on l'avait setupé. Donc voilà, c'est là. Donc ça, c'est vraiment les trucs de début. Ouais, je crois que c'est la recette alternative pour l'acier. Elle est plus simple que... Je me souviens plus, mais je crois qu'elle est plus simple de celle de base, donc on a fait ça. Là, c'est le début. Ensuite, on a la production... La première production d'énergie. Ça a commencé à être plus sympa. Là, on a commencé à jouer un peu. Ça se passe. Ici, j'ai pas pris trop d'élan parce que on va là. On va peut-être démarrer d'en bas. Donc les pompes. Oui bon, j'aurais pu pomper l'eau là-haut, mais c'était plus rigolo de faire ça. Là, ça a été la première fois que je me suis amusé avec les pipes. Ah, c'est toujours du MK1, je crois. Hein. Je l'ai pas fait passer en MK2. C'est du MK. Donc les pompes à eau, ah là, où on s'est bien amusé avec les pipes pour monter le long du mur. Ouais, ça a été upgrade. Hein. La première usine à Elex avait pas cette gueule là. C'était une plateforme dans le ciel, comme on connaît.
Donc voilà, il y a... alors, il y a 8 pipes. J'en aurais plus besoin parce que j'ai débloqué les MK2 après. Mais à l'époque, j'avais que les MK1. Donc il y a besoin d'autant d'eau. Mais en fait, là, chaque ligne, c'est 2 pipes. On a 2, 4, 6, 8 pipes. Alors qu'on aurait pu faire que 4 pipes. Et du coup, on aurait pu faire 4 pipes pas superposées. Parce que la superposition, c'est ultra chiant. Mais bon. Et je crois que c'est des pompes MK. Ah non, j'ai mis des pompes MK2. Ça, j'ai upgrade. J'ai mis des pompes MK2. Sinon, il en fallait plus. Ok, et on arrive ici. Voilà, c'est tout beau. Les premières vraies belles descentes. Bon, après, c'est pas plus décoré que ça, hein. Les usines sont extérieures, on s'est pas occupé encore de la déco, c'est juste... les usines sont propres. Voilà. On a le charbon qui arrive de là-bas. Il se split en deux. Et on a la moitié du charbon qui va là. Enfin, c'est... Il y a deux mineurs. Il y a deux ou il y a... Ouais, il y a deux mineurs, hein. Il y en a un là et un là-bas. Qui sont des mineurs purs et ça fournit assez de charbon. Et donc là, voilà, on a une belle usine bien droite. Belle usine allemande. Pour le charbon avec tous les pipes bien clean. Les pipes bleues évidemment. C'est joli, c'est bien propre, c'est bien droit, on descend au bout. Il manquerait des murs et voilà, quelque chose. Voilà, et je crois que c'est tout ce qu'il y a. Bon, ça produit pas mal en termes d'énergie, je suis à... Celle-ci, ça fait 3,6 gigawatts. Donc 3600 mégawatts. Et en énergie totale, je suis à 13600. On va aller voir l'autre qui est une power plant à 10 gigawatts. Il y a aussi ici que je mine de l'EME, mais c'est tout. On va réapparaître parce que c'est plus rapide. Donc maintenant, on va passer à des usines, enfin la deuxième prod d'énergie quand on a débloqué le pétrole. Qui est plus clean dans la construction encore, mais il y a... Ah merde, attendez, vite, vite, je clique pendant le world tour. Comme ça, vous avez pas la pub, c'est bon. Voilà. Il y a... Il y a pas la déco autour encore. Je pars moins loin que d'habitude ou quoi? Oh non, c'est une impression. Ok. Voilà la deuxième usine de Prodelec. Vous voyez, c'est déjà bien droit, bien propre. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 extracteurs de pétrole. Oh, j'ai pourvu une fondation dégueulasse là. Merci. C'est pareil, pourquoi il y a un mur plus loin? Bizarre. Donc là... Ça sert à quoi le ME? C'est pour améliorer les... Tout ce qui est le transfert, le dépôt dimensionnel. Entre autres. Donc, là on a tout le pétrole qui arrive dans des... Belles raffineries qui transforment en caoutchouc plus résidus de pétrole lourd. J'ai eu un changement dans les couleurs ou quoi? Pourquoi c'est bleu ici? Ah putain, j'ai changé mes nuanciers et du coup ça a tout changé. Ah, je pensais que ça restait. Okay, celui-ci je l'ai pas changé de nuancier, mais celui-ci oui. Attendez, pourtant c'est censé être le nuancier 4, non? On va changer le nuancier 4. J'utilise pas ailleurs normalement. C'est la même couleur ou pas? Ouais. Je sais pas pourquoi ça... Ou c'est peut-être parce que quand je suis passé... Ah, c'est la même que le 6 en vrai. Hein. Chose près. Je sais pas pourquoi ça a changé la couleur. Normalement c'est censé être cette couleur. J'aurais dû mettre... Un petit G, merci.
Ah ouais, mais ça marche pas sur ça du coup. On peut pas grouper plusieurs choses, bon, c'est pas grave. Voilà, bon, au niveau des pipelines, j'ai essayé de faire des trucs propres. On devait mettre d'ailleurs. Je les ai débloqués maintenant. Dans quoi? Mur? C'est plus tard que je débloque les vitres au sol, hein. Ah, c'est plus tard, je crois. Du coup, tes usines sont en distribution linéaire. Non, elles sont en distribution, j'ai plus le nom. Ça vaut pas le coup de diviser les ressources pour avoir ce qu'on a besoin par usine? Non. En fait, le faire des inputs comme ça, c'est beaucoup mieux parce que t'as qu'une seule ligne en fait. Parce que si tu dois diviser à chaque fois, tu te retrouves sur tes lignes d'input des fondations en vert. Non, parce que j'ai absolument tout débloqué, c'est plus tard. C'est le tiers suivant. Donc sinon, oui, tu te retrouves avec... architecture. Ah si, fondation en vert, c'est là. Ok. Y'a pas d'autres styles? Non. Bon, je vais te un côté. Mais bref, en gros, ça prend beaucoup moins de place. Pas faire des... Me dites pas que ça existe, hein, c'est un câble. Pas de passage au sol. Oh si. Ouais, mais c'est pas joli, on va pas le faire. On va les tourner. Y'a pas des sans-contours? Non. Bon, on verra, mais je pense que je vais peut-être en débloquer d'autres plus tard. Du coup, il y a un temps de mise en route. Ouais, c'est tout. C'est le seul défaut. Attendez. Y a un temps de mise en route, mais en fait l'important c'est pas le problème. Il y a un temps de mise en route effectivement. Il faut que ça buffer, mais qu'est-ce que tu préfères? Un temps de mise en route qui va durer, allez, quelques minutes? Ou un truc beaucoup plus big en termes de superficie, beaucoup plus chiant à relier aussi. Et après ton usine est définitive comme ça, tu vois. En fait, faut juste le temps que les machines buffer et c'est assez rapide. T'as un peu moins de prod au début, puis après c'est bon. Et l'avantage de faire comme ça, c'est quand t'as un problème de ressources, ça va diminuer. Ah, la pub quand je réponds, attends, j'attends. Merci Onitz, merci Sankadio, connaissez-vous Twitch Prime, merci Le Trésor, merci Mikamaral, merci pour les Prime. Abonnez-vous pour avoir toutes les réponses. Merci Rem, effectivement, c'est le moment de dépenser vos Prime. Mais donc du coup, pour répondre à tes questions, oui, le seul problème, c'est imagine ici si je devais splitter en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, pour relier les usines. T'as vu combien il y en a? Imagine la taille que ça ferait.
Et ça c'est bleu, mais oui, c'est pas de l'eau, hein. C'est ce que je pensais. Donc voilà. Mais après, en vrai, ouais, c'est manifold comme ça, voilà. Je cherchais le nom, mais c'est des répartiteurs, c'est manifold. C'est-à-dire, t'as une ligne et tu splits à chaque fois. Et ça prend beaucoup moins de place. Donc ouais, voilà, dans ces usines, le pétrole arrive dans les raffineries, le pétrole produit caoutchouc plus résidus de pétrole brut, le résidu de pétrole brut ensuite... avec des bidons et avec de l'eau conditionnée pardon et transformée en carburant conditionné, c'est une recette alternative. Donc ça produit plein de carburant, voilà des petits trucs de carburant. Ensuite ce carburant est envoyé dans des déconditionneurs pour être transformé. Putain mais j'ai des trous dans mes usines qui sont bizarres. Pourquoi il y a des trous? Qui sont envoyés. Voilà, donc du coup là-dedans, du coup ça me fait de l'essence. Et cette essence-là, alors je stocke une partie là-dedans dans le carburant. Si jamais j'ai un problème à un moment, au moins j'ai du carburant pour lancer les usines. Ensuite, il y a une partie qui va ici dans le plastique recyclé alternatif pour produire du plastique. Donc caoutchouc. Plus essence égale plastique. Et le reste de l'essence part dans les usines à carburant. Ils produisent de l'électricité. Alors, pourquoi conditionner et pas envoyer en pipeline? C'est parce que j'ai une... En fait, là, t'as plusieurs façons de faire de l'essence. Et celle que j'ai utilisée, là, moi, celle que je... Enfin, c'est une essence alternative. Ah, ça produit masse carburant. Ouais c'est fou, les, chaque truc produit 250 MW, donc elles tournent toutes, il y en a 40, donc ça fait 10 gigawatts. Ouais, alors pourquoi conditionner pour le déconditionner? C'est juste parce que la recette alternative te donne du carburant conditionné, c'est-à-dire tu mets bouteille d'eau plus résidu d'essence et ça fait du carburant conditionné. J'ai l'impression que des fois il y a des trucs qui sautent et tu sais pas pourquoi. Ok, il manquait un tuyau ici. Alors, c'est pas gênant. Parce que de toute façon, ça tourne. C'est pour ça que ça tournait pas au max à un moment. Ok, je comprends. Et donc là, je conditionne l'eau. Mais alors, du coup, mes bidons sont en circuit fermé. C'est ça qui est bien. Donc pour démarrer l'usine, il a fallu injecter des bidons. C'est pour ça qu'on a ça ici qui produisait. Alors du coup, maintenant on a des extra bidons qui partent à la poubelle. Mais le delta de bidons, c'est ma production d'essence. Parce que forcément, je stocke du carburant conditionné. Donc si jamais à un moment j'ai besoin d'en utiliser, il faut que je reproduise autant de bidons qui s'en vont là. Quand l'usine est pleine, bah, les bidons ils partent au recycleur. C'est pas un problème. Voilà. Ils partent au recycleur. Comme le caoutchouc. En surplus. Le plastique non, parce que le plastique utilise de l'essence, donc je le balance pas au recycleur. Là où le caoutchouc, je suis obligé de le balancer, parce que si je balance pas le caoutchouc au recycleur et qu'il y a un trop plein, mes raffineries ne produiront plus de ça là, de résidus de pétrole. Ouais, parce que quand je démantèle en masse, je me fais avoir des fois. Et donc en gros, mes bidons sont sur circuit fermé, ils sont vides, ils arrivent ici, ils se conditionnent en eau. Ils partent dans les raffineries ici pour passer de bidon d'eau à carburant conditionné. Le carburant conditionné passe dans les conditionneurs, ça donne de l'essence, ça redonne des bidons vides qui re-rentrent dans le cycle. Et donc c'est pour ça qu'ici on a juste un buffer, voilà, on a un buffer. C'était le temps que ça se remplisse, mais maintenant c'est full, donc celui là-haut doit être vide normalement. C'est ça, c'est bon. Le buffer là-haut est pas utile, mais... C'est plus simple pour l'alignement en fait, mais c'est pas utile. Et le trop plein par ici. Voilà. Les deux trop pleins. Et ouais, j'en fais un sur la ligne en haut, un sur la ligne en bas, pour que jamais que ça coince. Faut pas que ça coince les bidons, parce que si à un moment ça, il y a un trop plein de bidons et que ça coince, l'essence peut plus vider, parce que l'essence produit des bidons vides. Et non pas des bidons vides. Donc c'est super important d'avoir sa part
Recyclage. Et puis bon, ça fait des points bonus. Ah, tout comme le caoutchouc, c'est super important, puisque le caoutchouc, si on le met pas, bah, on peut plus produire d'essence. Et on en jette pas mal. Voilà. Tant que ça se coince pas, c'est bon. Après, c'est du MK4, on est bon. Naissance produit des bidonvilles, ouais. Et là, on a les pompes à eau avec la ligne d'eau pour... Ces fondations sont inutiles, by the way. Oh, quoi qu'elles sont utiles là-bas. Pour alimenter... J'aime bien le bruit des... D'ailleurs, de temps en temps, ils font... Ils explosent, là, je sais pas pourquoi. Au niveau de l'animation. Je pense que c'est quand ça s'arrête parce que c'est plein. Ouais, le surplus avec les séparateurs, c'est un... C'est un répartiteur intelligent. Donc sortie centrale, tout, et dès qu'il y a du surplus, il le balance dans la truc qui va à la poubelle. Donc voilà, voilà pour la prod d'énergie. Il nous reste l'usine à moteur et le train. Donc l'usine à moteur. Avec l'usine à ordi qui arrive. Elle est là. Bon, usine toute simple. Elle est juste joliment symétrique, voilà. J'arrête de faire des usines sur deux étages maintenant, je trouve que ça fait trop gros en build. Bon bah pas grand chose de particulier, hein. On mine c'est quoi, du fer ici. Ça passe à l'étage en dessous. Putain, c'est des fondations 4 mètres que j'ai fait en plus. Ah, ça transforme en lingots de fer, beaucoup de lingots de fer qui ensuite... c'est pas ici. Les lingots de fer, ils partout. Ils partent au-dessus, je crois. Ok, ils partent au-dessus, les lingots de fer, tu vois, sur les 4 rangées là. Qu'est-ce qu'ils font au-dessus? On va aller voir. Oh, ça produit des fils, vraisemblablement. Ok, on produit... Ah oui, on a la recette alternative absolument incroyable, les lingots de fer qui produisent des tuyaux en acier. Amen. Donc là, ça produit des tuyaux en acier sur toute la partie derrière. Ouais. Et ensuite, ici, on a les lingots de fer qui produisent du fil électrique. Donc en fait, on fait tout au lingot de fer, cette usine. Donc on a fil électrique plus... Plus... Et ça produit où le reste après? Là-dedans. Ce lingot de fer. Ah oui, ça redescend. Un dédale, ce truc. Et du coup... Ah oh bah, il n'y a plus de fil électrique ici. Ah mais oui, attendez, il manque un lien. Oh, elle est full bourrée quand j'ai fait cette usine, hein, je vous jure. C'est pour ça qu'il y avait moins de stator. Ok, tuyau en acier plus fil électrique égale stator, et tuyau en acier plus fil électrique égale rotor aussi, je crois. Ouais. C'est les trucs alternatifs. Donc en gros, c'est bien parce que c'est facile sur cette usine, on produit juste tuyau en acier, fil électrique, ça fait rotor et rotor plus stator égale moteur. Voilà, et ça produit beaucoup de moteurs. Et donc du coup, on a les rotors... Les moteurs et les stators. Et une fois de plus là, tout ce qui est surplus, ça part à la poubelle. Et c'est ça qui me produit énormément de points. Bon maintenant combien de points il faut? Allez, on va attendre. Ça me produit beaucoup de points parce que les moteurs, ça produit beaucoup de points. C'est 2000 le moteur, un truc comme ça.
Bon, vous voyez, je suis à 62 000 points minute. Hein. Alors, c'est dommage, on n'a pas la répartition. Oui, les points sont synchro entre tous les broyeurs. Tous les recycleurs, ouais. Oh, broyeurs, recycleurs. Alors, on va attendre, c'est... Je sais pas, c'est au moins 500 000 plus. Ah, c'est 1 600 000 le point maintenant. Dame. Les points, ça permet de débloquer des trucs. Mais donc voilà, petite usine à moteur comme on aime. Et il reste un dernier truc à voir. Ce qui est sympa dans cette usine, c'est que vraiment, on utilise que du fer. C'est tout. Et à partir du fer... Après, j'ai déjà débloqué tout quasiment, donc... Et enfin, le dernier truc qu'on a fait la dernière fois, le train pour amener quartz et catérium à mon usine à... Hop. Je vais fouiller, c'était pas mal. Mon usine à ordinateur qu'on est en train de faire. Ouais, c'est fouillé. Avec notamment ce petit passage... Tout le monde m'a dit, tu verras, les trains, c'est l'enfer, les voies, tout ça, tout ça. Regardez où on a fait passer le train. Aucun problème. Miou miou. Regardez le train qui passe. Bon bah après, pour le décorer, ça sera un autre délire celui-là, mais... Voilà, avec les foreuses de Caterium ici. Et ça descend à la gare qui est là. Voilà. Donc on a un train pour ça, un train pour le quartz. Et après je me suis amusé à faire des designs pour le truc de train. Non, il touche pas les murs. Là il passe bien en dessous. Là. On l'avait pas ramassé celle-là ? Je jure. Là... Il frotte un peu le mur. Mais à force de frotter, le mur va casser. Donc pas d'inquiétude. Pareil ici. Après, c'est du train solide. Là, c'est bon. La roue passe par-dessus. Ça fait un peu 4x4. C'est rigolo. Et là, regardez. J'ai même esquivé le truc. Fout, fout. Et le design... Voilà, le design du train que je me suis amusé à faire. Le pont du train. Ça, c'était pour voir ce qu'on pouvait s'amuser à faire. Avec les blueprints, tout ça, tout ça. De toute beauté. Et du coup, ça, je l'ai fait, c'est modulable. Il me reste à faire le train là-haut, mais ça sera rapide à faire. Faut juste les matériaux. Donc voilà. Ah oui, tiens, fun fact ici. Le saviez-vous? On peut... On peut rentrer là-dessous. Ah bah tiens, faut que je récupère cet écriteau. C'est celui-là. Hop là. J'ai mis des blank stations pour le train pour ça décharge tel ou tel wagon sur telle gare. Non, j'ai pas fait comme ça. Et donc, il y a l'autre train qui est là-haut, mais faut que je relie avec mes blueprints pentes là. Voilà. Donc faudra que... Et c'est juste la jonction qui va être un peu compliquée à faire. Faut que je parte de la jonction en fait. Mais faut que je vois comment faire. Faut que je mette des blueprints plus petites. J'aurais juste modifié ça. Mais donc tout ça, ouais. Vous pouvez voir, ouais, c'est des blueprints. Il y a soit les blueprints blocs comme ça, de plan. Soit après les blueprints individuels. Ça c'est un virage... Virage gauche... Ça c'est un blueprint poteau, ça c'est droite. Là, ah non, ça c'est section. Bien, on voit vraiment tout le découpage. Ça c'est une section complète. Virage droite, poteau. Section droite, enfin droite, section complète. Voilà. Ouais, l'utilisation majeure des panneaux, c'est pour faire des jolies tristes. De nuit, ça rend encore mieux. Et j'ai surtout découvert le... Les blueprints et la difficulté avec certaines blueprints.
Mais on y arrive. On y arrive, mais ça m'a demandé de faire, refaire, notamment quand c'est des orientations, c'était un peu compliqué. Donc voilà, puis ça arrive ici, et là, bon, là, on entre dans le brut. On a double gare, une gare pour le... Alors ce train-là, il va râler parce que... Il est plus connecté, je crois. Ah non, c'est la gare caca, il est connecté, lui. Donc on pourrait rouler avec. C'est l'autre train qui est pas connecté. Et c'est l'autre train Quartz qui monte sur le côté. Donc voilà, deux gares. Une pour le Quartz, une pour le Caterium. Et là, on est en train de faire l'usine. Je devrais l'appeler la gare Goldé. Non, c'est la gare caca. Et Caterium.